l'international algérien Riyad Mahrez, ancien joueur du Havre AC et champion d'Angleterre avec Leicester en 2016, a signé un contrat de 5 ans avec Manchester City. Riyad Mahrez aurait signé à Manchester City pour une somme qui constituerait une entrée d'argent record pour le club de Leicester, alors que plusieurs sources estiment ce montant à 60 millions de livres, soit 79,6 millions d'euros. Les meilleures choses arrivent à ceux qui savent attendre, a publié mardi le club de Manchester City sur son compte Twitter, avec une vidéo souhaitant la bienvenue à Mahrez. Arrivée du Havre, L2, en 2014 pour près de 450 000 euros, l'attaquant de 27 ans avait déjà fait l'objet d'avances de la part des dirigeants des Citizens en début d'année. Ces derniers avaient proposé en janvier 56,5 millions d'euros en plus du jeune ailier au milieu offensif Patrick Robert, dont la valeur de transfert est évaluée à 17 millions d'euros, dans la transaction. Après le refus des forceurs, qui réclamaient 90 millions d'euros, Riyad Mahrez avait exprimé son mécontentement en faisant grève de l'entraînement pendant 15 jours. Je suis si heureux de rejoindre City, qui joue un football extraordinaire sous la direction de Pep Guardiola, a déclaré Mahrez sur le site de Manchester City, qui a terminé en tête du championnat anglais la saison dernière. Je pense que nous pouvons avoir de grands succès ensemble dans les prochaines années, et je pense que mon jeu peut encore se développer grâce à Pep, a ajouté l'attaquant algérien, passé par Quimper en CFA, puis le Havre en Ligue 2. Auteur de 17 buts lors de l'incroyable saison du titre obtenu à Leicester sous les ordres de l'entraîneur italien Claudio Ranieri, Mahrez a remporté le prix du joueur de l'année par le syndicat des joueurs professionnels de Première Ligue en 2016.